Bienvenue sur le plateau de la TV Service. Oui, votre quotidienne préférée, midi et demi, 17h, 23h. Tous les jours, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis en mode. Hey, Marc, mode. Eh oui, Ankira, bien entendu, parce que le jeune qui est juste à côté de moi, non seulement il a sa marque, mais il vous prépare quelque chose pour le carnaval. Pendant une semaine, ici même, en Guadeloupe, cahier, stylo, prenez des notes parce que ça va être très, très lourd. Je reçois le chef de projet du Carnival Week Guadeloupe et l'homme Sébastien Di Chaka. Bienvenue. Merci, frère. Est-ce que ça va? On est là. Bien installé? Toujours. Bon, ben on va y aller parce qu'on a énormément de choses à dire. Déjà, on admire déjà ta petite marque. C'est à quel âge? Alors, la marque a bientôt 4 ans. OK. Et installée en Guadeloupe, donc avec la boutique à Jarry, sur le boulevard Welbourg, depuis 2 ans bientôt. D'accord. Est-ce que c'est dur de monter sa marque et de justement créer, trouver des fournisseurs, trouver tout ça à gauche, à droite? C'est facile à faire? Alors, je pense que déjà, de base, c'est très dur. Ouais. Mais en plus, quand on veut fabriquer, on veut avoir une marque panafricaine, donc fabriquer entièrement en Afrique, il faut se déplacer là-bas, voir les usines, rencontrer un peu les différents acteurs, etc. C'est encore plus dur. Et ensuite, fabriquer en Afrique en étant ultramarin, ramener la marque en Guadeloupe, etc., la faire connaître en Guadeloupe et dans le monde entier aussi, ben oui, c'est un gros challenge. Alors, je vais poser la question, bien sûr, qui fâche que tout le monde va se poser, parce que bien sûr, ils vont te dire, mais on est de la Caraïbe, nous, c'est Madras, alors pourquoi prendre justement quelque chose d'Afrique? Ben, parce qu'on est aussi africain d'origine, donc moi, par mon cursus, j'ai travaillé en Afrique, donc j'étais en stage à l'ONU, donc ça m'a permis de découvrir cette mode un peu africaine, etc. Ouais. Et comme j'ai toujours voulu monter ma société, monter mon biz, monter mon truc, donc je me suis toujours dit, bon, mais en fait, pourquoi pas commencer par les vêtements, puisqu'on a besoin nous-mêmes de s'habiller. Et ce que moi je trouvais dans le commerce, en général, ne me parlait pas, je ne m'identifiais pas aux vêtements que je trouvais. Okay. Donc j'ai créé une marque un peu à l'image de ce que je voyais en Afrique et ce qui me correspondait. Ok, donc surtout n'hésitez pas, hein, si vous aussi ça vous plaît, Ankira, il est là, allez-y, c'est gratuit, c'est cadeau. Enfin, c'est gratuit, il faut quand même payer. Alors, on va attaquer donc le vif du sujet. Pendant une semaine en Guadeloupe, tu vas transformer la Guadeloupe vraiment en carrefour festif, je dirais. Exactement. Culturel. Explique-nous tout. Étant moi-même carnavalier, donc membre d'Akio, membre de Vukum aussi, et en voyageant, je me suis dit, mais effectivement, dans la Caraïbe, ils ont de gros événements, ils font venir de grosses têtes, etc. Et c'est vrai que nous, au moment du carnaval, bon, j'ai l'impression qu'on se replie peut-être sur nous, ouais. Alors qu'on a vraiment beaucoup à offrir. On a des rythmes, on a le Massa Saint-Jean, etc., le gros siro, le tambour, qui sont propres, hein, ça nulle part à part chez nous. Ouais. Donc pourquoi ne pas faire découvrir tout ça, toutes nos richesses aux étrangers? Et puis nous-mêmes aussi, nous valoriser, faire venir de gros artistes et prendre un gros pied chez nous, quoi. Alors pendant une semaine, en fait, la Guadeloupe va se transformer. Ça sera un petit peu comme le carnaval dans les îles anglophones, chez nos voisins. C'est-à-dire que pendant une semaine, les soirées, les cruises, les brunchs, les concerts, et bien sûr le dimanche gras, le masse matin, et le lundi gras à Basse-Terre, ainsi que le mardi gras à Basse-Terre. Mais pendant une semaine, ça sera la fête en Guadeloupe. Il n'y aura pas le temps de dormir. Il y aura un enchaînement de soirées, d'événements. Et franchement, ça sera inédit. C'est la première fois que ça va se faire. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois, donc on va tranquillement leur donner le programme. Ça commence quand, quelle date et avec quoi? Alors, donc ça va se dérouler pendant les jours gras, donc du 21 ouais. au 26 février 2020. Ok. Donc on va démarrer avec une soirée opening un peu. Mm-hmm. Donc tout d'abord, on veut effectivement ramener un peu de Caraïbes chez nous, ouais. Mais sans oublier qui nous sommes vraiment. Donc l'opening, tout d'abord, le coup d'envoi sera donné par un grand Léoz. Ok. Donc ça va se dérouler sur le golfe des Abîmes. Donc le 21 février à 18h. D'accord. Il y aura un Léoz orchestré par Kamas et des invités. Donc Kamas, bon, ce sont des jeunes aussi comme moi, issus de plusieurs groupes à Pau, principalement d'Akio aussi. Ensuite, on aura donc des artistes de la Caraïbe, on aura Oumpa de Sainte-Lucie, on aura Kex Mafia de la Dominique, on aura des artistes locaux, Gucci Si, Kevni et Dai. Ok. Donc ça, c'est le 21, tout ça. C'est le 21. Donc il y a okay. Léoz d'abord et après, ça part un peu en... Ok, d'accord, je vois la chose. Donc voilà, donc 18h le 21, donc c'est 18h à 2h du matin. Ok. Pour qu'on finit tôt, parce qu'après on enchaîne sur le masse matin, Congo Caraïbe avec le point d'interrogation. Il fête ses 30 ans cette année, donc ils nous font l'honneur, la Carnival Week pour la première année, d'être avec nous aussi.
Donc après masse matin. Donc le masse matin, ça c'est bien ça, le désir en fait et la volonté d'intégrer, parce qu'il n'y a pas que la fête, il y a aussi la tradition, voilà, la culture. Exactement. C'est important aussi pour toi justement de ne pas placer d'événements pendant le masse matin. Exactement, exactement. C'est vraiment incorporer la fête et la tradition sur un programme d'une semaine. Okay. Donc laisser très peu de repos pour pouvoir bien enchaîner, avoir quelque chose de bien vivant. Donc tout de suite après le masse matin, on se repose un peu, on se donne rendez-vous le soir. Donc le masse matin, on rappelle, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors ça commence, je pense que ça commence à 8h, hein, ouais, à 8h on est déjà, donc il y a le départ c'est au stade des Abîmes. Ok. Ok, donc effectivement bon, le carnaval commence vraiment bien aux Abîmes. Donc merci à la Cap Excellence et à la Ville des Abîmes pour l'appui toujours. Et donc Congo Caraïbes, masse matin, stade des Abîmes départ, donc vers 8h. Et le soir, 20h, on est de retour au stade des Abîmes pour le grand show. Oh, et là, c'est pas n'importe quoi. Ah, parce c'est gros show. Parce qu'on va pas accueillir n'importe qui. Pas n'importe qui. Donc déjà, on va pas donner la tête d'affiche tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais dis-nous qui aura avant. Encore une fois, on garde toujours la tradition. Ok. Donc, en première partie, on aura Akiyo. Ok. Donc, Maman Masla, 42 ans maintenant. Exactement, hein. Tout à fait. Donc, Akiyo. Triple K de la Dominique, donc toujours Triple K, bien sûr, très aimé par les Guadeloupéens. Exactement. Et le clou du spectacle, la reine du dancehall, Shensia, la nouvelle reine du dancehall, la Jamaïque, Shensia. Qu'on ne présente plus. Alors Shensia, bien sûr que vous connaissez, mais que vous entendez ses clips, vous dansez sur sa musique. Est-ce que ça a été difficile de la faire venir quand même en Guadeloupe pendant cette période, parce que ça reste une période très active dans la Caraïbe. Ouais. Donc est-ce que ça a été difficile de faire venir Shensia ici? On va dire qu'on y travaillait depuis très longtemps. Ouais. Donc je pense que si on avait essayé au dernier moment, c'était mort, puisqu'on se bat en face de surtout le Trinidad. C'est clair. Et ouais. Voilà, donc nous on l'a booké très tôt. Okay. Donc la date était validée depuis plusieurs mois, oui. Ok, donc elle va faire un show à peu près de combien de temps? Si on peut voir son clip aussi en double écran, elle va faire un show de combien de temps? On ne veut pas donner trop d'informations, il y aura beaucoup de surprises, il y aura des DJ de Martinique, etc. Ouais. Mais elle va faire un bon show. Ok. Et il y aura une petite surprise aussi, puisqu'il y aura un after qu'on prépare aussi. D'accord. D'accord, donc on va donner des informations pour l'after aussi, où normalement on pourra rencontrer l'artiste, faire des photos, etc. Parce que je sais que les Guadeloupéens veulent beaucoup la voir. Exactement. Donc il y aura des surprises. Ok, là pour l'instant les amis, nous ne sommes que le samedi. Ensuite, on enchaîne avec quoi? Donc tout de suite après, pas de pause, donc on a l'after après le concert. Ok. On a la XS. La XS, donc la XS qui commence à quelle heure? La XS commence vers 1h du matin. Ok. Donc la Lévée Vaval. D'accord. Donc la XS, on ne présente plus non plus la XS, un événement très aimé en Guadeloupe, donc un petit jour vert, etc. Donc on va expliquer bien sûr encore une fois aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément le principe. Donc la XS, qu'est-ce qu'un jour vert? Alors ben un jour vert, après, ça serait bien que les spécialistes comme Staline nous expliquent ça. Jouer comme son nom l'indique, on accueille le soleil qui se lève. Voilà. Jouer, joue ouvert. Et oui, ça, c'est les Anglais utilisent ce terme, mais en fait, c'est créole. Mais voilà, c'est une fête en attendant justement que le soleil se lève. Voilà. Où on danse, on chante jusqu'au petit matin avec de la peinture. Donc surtout, ne venez pas bien habillé. Je vous vois les Guadeloupéens, vous venez de ce genre d'événement, après vous dites ouais, faut pas se salir moins. Non, on va vous salir. Eh oui, donc c'est jusqu'à quelle heure? C'est de 1h jusqu'à quelle heure à peu près? Jusqu'à pas d'heure. On salue bien sûr toute l'équipe de la XS. Voilà, oui. Donc tout de suite après la XS, donc ça va se passer entre donc, le samedi et le dimanche. Ouais. Donc après la XS, on se repose un peu, on a le dimanche gras. Ok. Ok, mais avant le dimanche gras, on a un brunch by Mabouika. Exactement, donc le brunch, petit repas, exactement. Tranquillement le matin. Donc en fait, on sort de la XS, on va se baigner dans la mer et ensuite direction le brunch. Quoi. Voilà, donc c'est un brunch un peu fait à l'image de Mimosa, de ce qui se fait dans la Caraïbe, les Mimosa de Barbade, Trinidad, etc. Donc Mimosa, encore une fois, pour resituer, c'est un gros brunch vraiment qui ramène toute la Caraïbe de 6h à au moins 13h, honnêtement. On mange, on danse, on s'amuse entre Caribéens, ça c'est vraiment excellent. C'est super.
Donc ouais. La Mabouika aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouveau festival, un peu block party qui se faisait à la Darse. Donc là, ils vont sûrement changer de lieu. On laisse aux organisateurs de la Carnival Week, on a les organisateurs de la Carnival Week et les organisateurs de chaque événement. Ouais. Donc on va leur laisser faire leur com, ils vont présenter leur nouveau lieu, mais la Mabouika, ça va être chaud. Ok, donc ça, on est déjà passé au dimanche, donc on n'a pas dormi. Et non, parce qu'on a fait le concert, on a fait l'excess, on a fait le brunch, et forcément, c'est le dimanche, et le dimanche, il y a quoi? Il y a la grande parade de Pointe-à-Pitre. Dimanche gras, forcément, voilà. Donc rendez-vous tous dans les rues de Pointe-à-Pitre. Voilà. Excellent. Exactement, donc dimanche gras dans les rues de Pointe-à-Pitre. Donc là, on va laisser un petit répit, donc dimanche gras, on va profiter de la parade. Voilà. On se retrouve le lendemain. Le lendemain, dans une soirée qu'on ne présente plus, dans un événement, c'est même pas une soirée, c'est un événement qu'on ne présente plus. Très attendu, la Rome Fest. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement le concept de la Rome Fest? Bon, alors la Rome Fest, pareil, hein, c'est en voyageant, les cruises. Hein. Exactement. Donc on s'est inspiré beaucoup des cruises, puisqu'il faut savoir qu'à l'étranger, c'est du all inclusive. Ouais. Donc on arrive, on paye. Enfin, souvent, c'est du all inclusive. On arrive, on paye, on a la boisson, le repas, etc. Repas, ouais. Donc le concept de la Rome Fest, c'est pareil. C'est rendez-vous sur une plage. Que ce soit acheminé par navette ou venir en bateau, ou maintenant on a la possibilité de venir en voiture aussi. Ok. Donc on paye son accès, on a le repas compris, on a le cocktail de bienvenue. De bienvenue, offert par notre sponsor Rome Sévérin. Merci à eux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Très dangereux. À consommer avec modération. Voilà. Et donc la Rome Fest cette année, nouveau lieu, nouvelle surprise, okay. Des shows d'artistes, on n'en dit pas plus. D'accord, d'ailleurs vous voyez les images juste à côté, on remercie bien entendu pour les images Vikini qui fait un travail extraordinaire dans toute la Caraïbe. Allez les suivre sur Instagram, Facebook, ils vous rapportent des images de toute beauté. Eh oui, voilà, c'est l'ambiance et ça c'est pendant notre carnaval, c'est en Guadeloupe. Eh oui, on continue avec quoi? Donc après la Rome Fest, si vous avez encore des forces. Si vous avez encore des forces, bien sûr, parce que ça se termine vers les 16h, 17h, ouais, en tout comme 17h, ça. 17h30. Voilà, exactement. Donc pour ceux qui ont encore des forces, une petite sieste d'une heure. Et on se retrouve dans les rues de Pointe-à-Pitre encore une fois pour un déboulé exceptionnel cette année avec le groupe Cléla. Ok. Donc Machina sont là, on ne les présente plus non plus. Donc c'est un déboulé nocturne. Un déboulé nocturne, okay. Sur le thème du Massalamo. D'accord. Donc un thème très traditionnel, très ancré chez nous. Ok. Donc merci aussi à Cléla, au conseil d'administration de nous avoir accueillis la Carnival Week pour cette année. Ok, sans oublier que le lundi soir, bien entendu, vous avez vraiment le choix. On rappelle aussi qu'il y a le lundi gras à Basse-Terre, nocturne, où les costumes sont extraordinaires. De nuit, ça rend super. On vous rappelle que ça sera sur OTV, en live. Donc suivez ça, on est en HD. Alors, on continue. Donc après le lundi gras, on se réveille le mardi, hein. Parade de Basse-Terre. Forcément. Mais oui, ce qui est bien, c'est qu'il a pensé à tout. Et oui, tout est inclus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement pendant les parades nocturnes, les mardis gras, les dimanches gras. Tout est inclus pour que justement les gens qui viennent d'ailleurs puissent découvrir exactement, tout ça. Exactement. Et encore une fois, le mardi gras à Basse-Terre, ça sera en live sur ETV encore une fois, en HD. On vous attend parce que là encore, c'est l'une des parades les plus belles du monde. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, ensuite. Donc le mardi est vraiment réservé au mardi gras, la grande parade de Basse-Terre, etc. Le clou final, ouais. Donc le mercredi décembre. Ok. Qui dit caribéenne, dit French Chocolat Lover. Dit bien sûr ceux qui font un gros travail dans la Caraïbe pour voilà. Parce que Guadeloupe, Martinique, on ne nous connaît pas. À côté, ils ne savent pas qui on est. Donc, et il y a un gros travail qui a été fait, encore une fois, on les salue par les French Chocolat Lovers. Maintenant, quand vous dites que vous venez de la Guadeloupe ou de la Martinique, ils savent qui on est. Et ça, c'est grâce à vous. Les gars, super. Big up. Big up. Donc, c'est un brunch. Donc, un petit curry brunch comme ils ont l'habitude. Hein. Donc, les professionnels du curry brunch, l'ambiance. Donc, un petit repas. On vous accueille avec un petit repas. Voilà. Un petit son des tambours aussi. Un petit son des tambours. Voilà, on n'en dit pas plus. Et bien sûr, encore une fois, les brunchs des French Chocolat Lovers, ne croyez pas que vous allez arriver, vous asseoir, manger. Ça sera la folie. D'ailleurs, ah oui. On voit les images, ça ne reste jamais trop calme. Ah oui. C'est la Caraïbe, c'est le carnaval. Voilà. Donc voilà, et on termine par le mercredi décembre, donc le célèbre hein, chez nous, le toujours un peu triste, le déboulé de noir et blanc de mercredi décembre. Ouais. Quel programme extraordinaire. Alors franchement, on vous a tout dit, c'est du, on rappelle, donc du 20, parce que ça commence le... Du 21. Du 21. Au 26 février. Au 26. Voilà. Donc, comme on fait dans la Caraïbe, c'est un pack. Ouais. Okay, donc, le pack est disponible sur notre site internet, carnivalweekguadeloupe.fr. Okay. Vous prenez le pack, vous avez accès à tous les événements, plus les costumes des deux déboulés,
Donc, vous allez sur le site, vous remplissez un petit formulaire avec votre taille, votre âge, toutes les informations. Voilà, donc vous avez tout le programme. On va juste revenir sur les packs, les formules. Alors, il y a des départs de où et surtout, qu'est-ce qui est compris dans les packs? Alors, donc, le but de la Carnival Week, donc pour la première édition, c'est vraiment de faire venir des étrangers, des touristes, faire découvrir nos îles de Guadeloupe. Donc, okay. Big up au CTIG aussi qui nous accompagne. Donc, on a des départs du Canada, de Paris, des îles du Nord, d'accord. Donc Saint-Barth, Saint-Martin, de la Guyane, de la Martinique. Okay. Ok. Donc le pack comprend tout d'abord vol et accès à tous les événements. D'accord. Ok. Donc comme on a dit, bon ben on paye les événements. Je pense qu'il y a deux costumes aussi qui sont dans le pack. Voilà, on a le pack qui comprend tous les événements de la semaine. Donc ouais. On aura un pick-up collection un jour où on va venir. On va recevoir un email pour tous ceux qui ont pris leur pack avec date et heure et lieu pour récupérer tout le pack. Ok. Donc on aura les bracelets, les accès à tous les événements, les t-shirts pour l'access, etc. Et également, en remplissant le formulaire au moment où on prend les tickets sur notre site internet carnivalweekguadeloupe.fr, on remplit un formulaire avec les tailles. Donc le jour où on récupère tout, on aura aussi les deux costumes du Masmatin Congo-Caraïbes et du déboulé Cléla sous plastique correspondant à notre taille, à la taille du client. Donc pour obtenir logement et location de voiture en plus des packs pour ceux qui viennent de Paris et des autres destinations. Donc il faut prendre contact avec notre sponsor Frégate des Îles qui s'affiche là. D'accord. Donc, ils sont également situés à Colin, à Petit-Bourg, et ils sont joignables avec les numéros et les emails et sur leur site internet aussi. Voilà, tout a été dit. Donc, le package avec vos entrées dans les soirées, bien sûr, vos t-shirts, par exemple, pour la XS, pour tout ce qui est location de voiture et hébergement, vous appelez Frégate des Îles, vous leur renvoyez un petit mail, et puis après, un petit budget en plus. Mais vous verrez, c'est pendant une semaine, ça va être énorme. Alors, si on veut te suivre, ou même te poser des questions, te contacter, ou même acheter cette petite marque, en Kera, pour sortir en soirée et faire le beau, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? Vas-y, donne tout. Et puis, bien sûr, un site internet pour la Carnival Week. Alors, donc, Ankhera, bon, ben, A-N-K-H-E-R-A, donc Ankhera pour la petite histoire, donc Ankh, la croix égyptienne, ouais. Et Ankara, le tissu wax, donc il faut savoir que le tissu wax de base, c'est imprimé aux Pays-Bas, ouais. Et le vrai Ankara, donc l'équivalent imprimé en Afrique, s'appelle Ankara, donc Ankhera, okay. Pour la petite histoire, donc on est présent sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Voilà, et ça s'affiche, pardon, juste là, vous avez toutes les adresses. Voilà. Et bien sûr, vous avez le site internet carnivalweekguadeloupe.fr. Vous prenez toutes les informations. Et si vous voulez réserver quelque chose, vous n'oubliez pas Frégate des Îles. Sébastien, merci d'être passé sur le plateau encore une fois. On se donne rendez-vous pour la semaine, bien sûr, du 21 jusqu'au 26 février. 26 février, pendant une semaine. Ça va être extraordinaire. Et on se voit sur la scène avec Shensia, bien entendu. Oui, parce que la surprise, c'est que notre ami Staili sera présentateur. Et donc, si vous me voyez sur la scène avec un micro, avec Shensia, ne soyez pas étonnés. Merci encore une fois. Merci. Rendez-vous pour la Carnival Week. Et merci encore une fois pour avoir organisé tout ça. Ça va vraiment transformer la Guadeloupe. En tout cas, nous, on se retrouve, bien sûr, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.